Mesdames, Messieurs, très heureux de vous retrouver une fois encore dans ce 13h au Bénin. Voici le sommet 24 heures après la proclamation des résultats provisoires des législatives du dimanche dernier par la Sénat. La Cour constitutionnelle a procédé à son tour à la proclamation des résultats définitifs de ces élections. C'était à la faveur d'une audience publique qui s'est déroulée dans la soirée de ce jeudi au siège de la haute juridiction à Cotonou. Ensuite, tel que prévu dans l'agenda de son déroulement, le colloque scientifique du Festival international de Porto-Novo a démarré ce mercredi à l'école du patrimoine africain à Porto-Novo. Il a réuni plusieurs catégories d'acteurs, dont les dignitaires, chercheurs et professionnels du tourisme, pour réfléchir à l'opérationnalisation des atouts dont dispose la ville pour son développement. Et puis enfin, recherche de chez nous, solutions endogènes et accessibles, l'utilisation des plantes médicinales constitue pour la plupart des gens une solution naturel en cas de pépin de santé. Nous irons découvrir dans ce 13h au Bénin une pharmacie traditionnelle. Voilà pour le sommaire de ce 13h au Bénin. Bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez justement 24 heures après la proclamation des résultats provisoires des législatives du dimanche dernier par la Sénat. La Cour a procédé à son tour à la proclamation des résultats définitifs de ces élections. C'était à la faveur d'une audience publique qui s'est déroulée dans la soirée de ce jeudi au siège de la haute juridiction à Cotonou. Ces résultats viennent confirmer ce proclamé par la Sénat. Article 2. Proclame élu à l'Assemblée nationale. Au titre de la 9e législature, les 109 candidats ci-après. Union progressiste le renouveau, 53 sièges. 1. Amadou Djibril Labio. 2. Issa Salifou. 3. Sabi Mohamed Djamilatou. 4. Sina Ounegui Biogounou Idrissou. 5. Chabi Garo Baké. 6. Nouemou Kounemé Domitien. 7. Nyampabou Bounja Jacques. 8. Diego Maxent Didier Paulin. 9. Vijenayi Kossi Barthélémy Melon. 10. Amoussou Sossou Bernard. 11. Mehou Afiavi Solange. 12. Topanou Prudent Victor Poti Kwasivi. 13. Fabemi Brice Denis Sénat. 14. Zanou Viwayon Jean Major. 15. Noutaï Tohweyon Nestor. 16. Fonton Edmond Tanyon Nanon. 17. Orusengene Yakubu. 18. Lafia Boubakari Omaru. 19. Tony Gemba Inire Fatouma. 20. Soroko Sabi Abel. 21. Fanyon Kochami Nikez. 22. Agua Asoba Edmond. 23. Benoshi Gérard. 24. Alorson Richard Kokouvi. 25. Sewade Gisèle. 26. Adomaou Jérémy. 27. Mbouke Santos Tawes Borgia. 28. Guigui Honoré Marius. 29. Pochan Ahuefa Adeline Natacha. 30. Kobli Vi Dilonis Jimeko. 31. Jobenou Joseph. 32. Koumagbe Afide Doudi Kokou Réginal. 33. Dadeyon Alice Melevi. 34. Soussou Dapé. 35. Kapo Maouyon Thomas. 36. Torso Adjoa Gladys Edoxi. 37. Apiti Sedozan Jean-Claude Clovis. 38. Renfort Allemagne. 39. Ahoumenou Cécile Sebeyon. 40. Aboudjeté Moussa Justin. 41. Ahonvoy Bla Sedobo Augustin. 42. Moussa Godonou David. 43. Debedji Maotin Denise. 44. Vlavonou Beounou Louis. 45. Abiyose Abdourazak Ola Landou. 46. Akitobi Olga Adedoyi Oluremi. 47. Abimbola Babalola Jean-Michel Hervé. 48. Benzin Ina Pohami Edouard. 49. Lokosu Léopold.
50, Kwana et Génie à Kwavi. 51, Akenatonde. 52, Serhueto Lazare Maurice. 53, Aikoele Agoy Rogassienne. Bloc républicain, 28 sièges. 1. Bako Arifari Nassiru. 2. Sabi Yosani Innocent. 3. Kassa Daoga Batlemi. 4. Mpo Ntia Théophile. 5. Chanati Fieto Jeanne. 6. Gounou Salifo Abdoulaye. 7. Mouibo Kofi Bernard. 8. Sopoepe Nathanael. 9. Pien Robert. 10. Seydou Adambi Samou. 11. Apouvi Estache. 12. Degla Assouan Komlan Benoît. 13. Sosou Kazmi. 14. Seibou Abdul Malik. 15. Karim Tidjani Mounifa. 16. Biotchane Abdoulaye. 17. Salio Alidjanatou. 18. Ahi Dedevi Eugénie Chantal. 19. Daïho Rosine. 20. Chanou Sofiatou Moudisola. 21. Kouanou Yonofi Mathias. 22. Karimou Saliman. 23. Kousonda Adjibade Moukaram. 24. Adjaï Titilayo. 25. Glebeto Denis. 26. Gansé Kodjo Armand. 27. Héhomé Hervé Yves Martin. 28. Agombono Dossa Lambert. Les démocrates, 28 sièges. 1. Sounon Boké Soumaïla. 2. Wassangari Biosika Abdel Kamel. 3. Sabi Karim Alassane. 4. Kora Zenabou. 5. Ondete Eric Louis Camille. 6. Olosumaï Hélène. 7. Onga Midoufi Antonin. 8. Moukouré Boko Soule Malam. 9. Sariki Raouf. 10. Wurukubu Abibou. 11. Isiaka Aruna. 12. Orutama Viviane. 13. Deni Fadeyon Léon. 14. Aïhe Y.Elise. 15. Ogbon Kolawole Dima. 16. Tosa Ogusi Edwige. 17. Imoru Tairu. 18. Achade Noure Nou. 19. Dorego B. Léansou. 20. Adéchokan Gafari. 21. Oumenou Denise Maouyon. 22. Godonou Joël Timothée Senou. 23. Naoum Constant. 24. Adjovi Chantal. 25. Ahossi Komla Léon. 26. Soudinou Michel François Olutoye. 27. Radji Abdou Hakim. 28. Onsou Nounayon Célestin. 10. Article 3. Dit que la présente proclamation ne préjuge pas de l'issue des contestations qui pourraient entraîner l'invalidation du siège de député. Ordonne la publication de la présente proclamation au journal officiel. Et bien voilà, vous venez donc de suivre la proclamation des résultats définitifs de ce scrutin du 8 janvier 2023 par la Cour. Ensuite, l'Union progressiste, le renouveau est en fait dans la première circonscription électorale sur les 4 sièges dont dispose cette partie du Bénin pour le compte des législatives. Elle remporte 3 sièges pour témoigner leur gratitude aux militants. Les candidats en lice élus ont organisé une réjouissance dans l'enceinte de leur siège de campagne à Mananville. Suivez ici le point dans ce reportage. Après la proclamation des résultats provisoires par la CNA, la Commission électorale nationale autonome, les candidats du parti Union progressiste Le Renouveau expriment leur joie. «
Sur les 4 sièges de la première circonscription électorale, le 10 parti s'en sort avec 3. Un score qui suscite cette réjouissance au siège de campagne UPR à Malanville. Pour les militants, l'objectif poursuivi, même s'ils ne sont pas parvenus à rafler les 4 sièges, est déjà atteint. L'UPR, dans la première circonscription électorale, intègre ainsi le Parlement avec les deux candidats titulaires, en plus de la femme Jamila Sabi Mohamed, qui, à l'issue de cette grande tendance publiée par la Sénat, se confond en remerciements. Aujourd'hui, on se réjouit avec les femmes de Malanville pour leur montrer notre joie parce qu'elles nous ont fait confiance, elles nous ont donné leur voix. Donc, c'est l'occasion pour nous de leur dire merci. Merci à toutes les femmes et merci au gouvernement qui a pensé à la gente féminine surtout, car seule la femme peut connaître la douleur de la femme. Nous disons merci à toute la population de Malanville pour la confiance que cette population nous a accordé pour nous donner leur suffrage. Je voudrais également dire merci à tout le monde, car la première circonscription électorale a prouvé de quoi elle est capable. Car notre leader charismatique, je veux parler de l'honorable Issa Salifou, a démontré qu'il maîtrise effectivement la première circonscription. C'est le moment de remercier la population malavilloise en particulier, et de la première circonscription en général, et tous les Béninois à être assurés. C'est alors une énorme reconnaissance que témoignent les candidats UPR de la première à travers la personne de Salifou Issa, leader incontesté du parti du Baobab, à leurs électeurs. Cette réjouissance va s'étendre dans tous les arrondissements de Malanville, Karimama et Kandi. Tout autre sujet à présent, l'envie du bien-être, les conflits intra- ou interpays, la famine dans certaines régions engendre le déplacement des populations, ce qui occasionne la migration massive d'un point à un autre, un phénomène que le laboratoire d'analyse et de recherche religion, espace et développement de l'Université d'Abomey-Calavi met au centre des échanges à travers le colloque international du 12 au 14 janvier à Siongbon et Terongbevi. L'université d'Abomey-Calavi accueille le colloque international sur les migrations transfrontalières et les défis sécuritaires en Afrique. Il est organisé par le laboratoire d'analyse et de recherche religion, espace et développement. Ce rendez-vous se tient pour analyser les causes et facteurs dynamisants de ce fait social. L'intérêt du sujet relève de plusieurs aspects. Tout d'abord, il met en relation deux thématiques importantes. Les migrations d'un côté, l'insécurité de l'autre. Chaque aspect de ce couple de thèmes revêt à son tour une importance pour les communautés humaines, sociales, pour les dirigeants, pour les organismes nationaux et internationaux, et pour les scientifiques, simplement parce que elle touche à l'existence sociale. 11 thématiques sont à développer au cours de ce colloque qui réunit divers scientifiques d'Afrique et d'ailleurs. Il sera donc abordé, entre autres, l'historicité des défis sécuritaires liés aux migrations transfrontalières en Afrique, les causes et manifestations des défis sécuritaires. Les communautés humaines sont a priori rattachées à leur terre et origine. Cet attachement peut être handicapé à un moment donné par diverses raisons, notamment la gouvernance répressive, la pauvreté, le chômage, les catastrophes naturelles, le changement climatique et l'urbanisation croissante. Il en résulte une
insécurité multiforme qui va contraindre certaines catégories de population à rechercher le mieux-être loin de leur terre natale. Les migrations engendrent des vagues de déplacés, des pertes en vies humaines, le trafic des êtres humains. On compte dans le monde en 2019 plus de 258 millions de migrants. Dans la même année, en Afrique, les chiffres de la migration infrarégionale sont estimés à environ 19 millions de personnes. Sur les 15 meilleurs pays de migrants en Afrique, 9 se trouvent actuellement en situation de conflit. Et la mobilisation de la communauté scientifique ici à Bomekalavi va permettre d'étudier de nouvelles perspectives d'analyse, de compréhension et d'approche de solutions. Je vous l'annonçais en titre, tel que prévu dans l'agenda de son déroulement, le colloque scientifique du Festival international de Porto-Novo a démarré ce mercredi à l'École du patrimoine africain à Porto-Novo. Il a réuni plusieurs catégories d'acteurs, dont les dignitaires, chercheurs et professionnels du tourisme, pour réfléchir à l'opérationnalisation des atouts dont dispose la ville pour son développement. Les activités de ce travail scientifique ont été lancées en présence du maire Charlemagne Yanko. Reportage. C'est le volet intellectuel de la 6e édition du Festival international de Porto-Novo, un rendez-vous consacré à la recherche des voies et moyens pour faire de cet événement un véritable outil au service du développement de la ville. À ce colloque, les échanges entre dignitaires, sachants, chercheurs et professionnels du tourisme vont tourner autour du thème « Potentialité d'attractivité de la ville de Porto-Novo, quelle opportunité de développement local ?» Et pour être bien appréhendé, ce thème est décliné en plusieurs axes de réflexion. Ce recentrage avec les axes de développement définis nécessitait une connaissance des valeurs et richesses intérieures de la ville et a posé de réels problèmes d'intégration à nos habituels participants de l'extérieur. L'axe 1 demandait de se pencher sur la diversité socio-culturelle et le dialogue interreligieux, enjeu de développement pour la ville de Porto-Novo. L'axe 2 demandait de réfléchir sur les perspectives de promotion de la destination Porto-Novo, enjeu pour le développement touristique du Bénin. Et l'axe 3 nous concentre sur le futur projet du Musée international du Vaudou et nous demande de réfléchir aux perspectives de la mise en musée du patrimoine immatériel du Bénin et de sa diaspora et sur la partition que ce projet pourrait jouer dans le développement de Porto-Novo. Pour le maire Charlemagne Yankoti, mettre en lumière les potentialités de Porto-Novo revêt un intérêt capital au regard des ambitions culturelles et touristiques du Bénin inscrites dans le programme d'action du gouvernement. Quand je lève la tête et je vois devant moi la horde d'éminence grise universitaire, gardien de nos traditions, dépositaire de nos connaissances endogènes et aussi les acteurs du secteur économique, j'ai comme pour ainsi dire une assurance scientifique et certaine du fait de vos présents travaux, notre ville commencera à coup sûr à tirer profit de ses potentialités culturelles, économiques et touristiques. Notre ambition est d'être parmi les toutes premières grandes villes et la meilleure du Bénin à mettre en branle avec efficience et efficacité la vision du président dans le volet culturel du PAG. La toute première communication de ce colloque, présentée par le professeur Dodia Mouzouvi, a fait mention de ce que Porto-Novo est l'une des rares villes du Bénin qui allie atouts économiques et touristiques capables de contribuer efficacement à son développement. Il ne reste qu'à les rendre opérationnels pour faire de la ville la destination touristique la plus enviée du Bénin. Les travaux de ce colloque sont prévus pour durer 3 jours. Mais dans la suite de ce 13h au Bénin, c'est connu de tous, bien entendu, la 14e édition de la fête identitaire Wemeroué. C'est du 25 au 29 janvier à Djouroum, mais sur le terrain, il y a une spéculation malsaine par rapport à la commercialisation du tissu retenu pour la fête et pour alléger les peines des fils et filles de la vallée de l'Ouémé. La coordination générale de Wemeroué a décidé de valider pour la fête les tissus utilisés pour les 11e et 13e éditions. Ceci à
un prix très moins cher. Suivez ici les membres, bien entendu, de la coordination au sujet de cette décision. C'est un message unique, message de la coordination. Il faut décourager ceux qui font la spéculation. Le tissu est à 18 000 francs. Aujourd'hui, s'il faut l'avoir, c'est au-delà de 30 000. Nous voulons décourager cette habitude. C'est pourquoi on a décidé de ramener les tissus que vous voyez chez nous, là, les tissus qu'on a portés là, à 10 000 francs la pièce. Il y en a en quantité. Donc ceux qui n'ont pas encore pris le nouveau tissu, ils n'ont qu'à se rapprocher de nous pour prendre les tissus de Bomou et de Dango. C'est à 10 000 francs la pièce. On ne peut pas accepter que les gens viennent prendre des tissus chez nous à 18 000 francs et vendre ça cher. Non, ce n'est pas pour eux la fête. La fête, c'est pour tous les women. Donc nous, on ne va pas, on va pas laisser la population souffrir. Ça, c'est une souffrance. Il faut qu'on découvre ça. Et soyez sûrs, prochainement, nous allons prendre des dispositions pour que ça n'arrive plus. Dans nos villes, dans la commune d'Abomey-Calavi à présent, les données dont dispose le centre de promotion sociale sur les violences sexuelles et les viols sur mineurs continuent d'alimenter les inquiétudes. 26 cas ont été enregistrés récemment dans la seule commune. Une situation assez inquiétante qui interpelle plusieurs acteurs. Voici le reportage. Les chiffres ne sont pas bons et les statistiques mettent les parents en état d'alerte. Voici le tableau que présente la commune d'Abomey-Calavi dans le département de l'Atlantique. En seulement 8 mois, 26 cas de violences sexuelles, dont 24 viols sur mineurs, ont été enregistrés, soit environ 3 à 4 cas par mois. Sur la liste des victimes, on découvre une fillette de 6 ans. Ces données accablantes ont été collectées par le centre de promotion sociale de la commune d'Abomey-Calavi. Bathilde Akpado est chargée de la section pour la promotion de la famille, de l'enfance et du genre. Elle nous en parle. Déjà, je l'ai dit, ça fait froid dans le dos. Parce que quand, en tant qu'acteur de protection de l'enfant, vous recevez un parent ou une tierce personne ou toute autre personne qui a été au contact ou au courant d'une question d'abus sexuel sur mineur, déjà, ça déclenche en vous beaucoup de choses. La commune la plus peuplée du Bénin détient la palme d'or dans la discipline. Elle est considérée comme l'une des zones rouges en matière de violence sexuelle, ce qui donne du fil à retordre aux acteurs militants pour la protection de la femme et de l'enfant. Les actions du centre de promotion sociale d'Abomey-Calavi au profit des victimes se situent à plusieurs niveaux. En même temps que les autres acteurs de protection de l'enfant, la santé, la police républicaine, le psychologue, tout et tout, ils sont en train de mettre en place leurs interventions. Nous, nous sommes là pour coordonner et apporter ce qu'il faut pour quand même offrir tout ce qui est paquet global d'intervention à la victime. Maintenant, selon son statut, si c'est quelqu'un qui est dans le système scolaire, il faut tout faire pour que, si c'est en pleine année, la fille ne perde pas l'année scolaire. Si c'est pendant les vacances, comment faire pour l'accompagner à se réinsérer? Autant d'actions pour redonner à la victime sa dignité et son droit de vie dans la société. Dans la montée de ce phénomène, le scientifique lui y voit plusieurs déterminants qui favorisent les violences sexuelles. Les filles sortent sans aucune permission. Vous les voyez en bande se balader et aller s'asseoir dans des débits de boissons, ou bien être en groupe pour rendre visite à tel copain ou bien à tel frère d'un ami, et qu'il y a un réseautage qui est créé autour de ça. Donc les filles elles-mêmes, de façon précoce, elles vivent ce que j'appelle les fantasmes sexuels, qui sont davantage motivés à partir de tout ce que la médiatisation est en train de faire aujourd'hui, d'une part, et de tout ce que les groupes d'amis sont en train de faire
Donc ces deux variables sont des variables qui constituent ce que j'appelle les déterminants aléas à l'acte sexuel. Mais aléas à l'acte sexuel, elles sont dans une certaine naïveté totale. Et l'autre chose, c'est que les filles d'aujourd'hui ne font que vraiment dépenser les hommes. Oui, c'est la dimension économique de leurs actes. La sensibilité du sujet touche les autorités au sommet de l'État. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance suit de très près la situation d'Abou Mekalavi. Au-delà des dispositions existantes, le gouvernement veut renforcer l'arsenal juridique pour mieux traquer les auteurs de ces actes. Il s'agit du projet de loi portant mesures spéciales de répression des infractions commises à raison du genre et la protection de la femme en République du Bénin. Le projet de loi qui sera bientôt au Parlement. Le jeudi 23 septembre 2021, le chef de l'État et les membres de son gouvernement ont échangé avec les députés sur le sens de cette démarche. Il y a lieu, à défaut d'éradiquer, d'inverser la tendance de façon à protéger nos femmes et nos filles contre les velléités ainsi que les atteintes ainsi portées contre elles. La promotion de la femme et la sauvegarde de ses droits reste un combat de longue haleine et Abou Mekalavi ne facilite pas les choses. Pour une lutte efficace, les parents sont appelés à jouer pleinement leur partition pour inverser la tendance. Et pour finir, richesse de chez nous, solutions endogènes et accessibles, l'utilisation des plantes médicinales constitue pour la plupart des gens une solution naturelle en cas de pépin de santé. Aujourd'hui encore, elles connaissent une ruée, riche ou pauvre. C'est tout le monde qui se les tiraille. Canal 3 vous donne un aperçu. Une équipe de notre rédaction a effectué une descente au carrefour Ruedonou, dans l'arrondissement de Godomé. C'est un endroit dont la renommée en ce qui concerne ce savoir endogène fait l'unanimité. Voici le reportage. Sous les tropiques et même ailleurs, la guérison par les plantes tiennent toute leur place. Pour bien de gens, elles se présentent comme un recours privilégié et offrent des solutions adaptées à un contexte socio-économique bien particulier. Aujourd'hui encore, elles connaissent un regain. Je suis venu chercher quelques tisanes de palu. Bon, souvent, je viens ici pour acheter les feuilles, les tisanes par rapport à la santé. Ici, maintenant, ce que j'ai payé, c'est à 300 francs. Et c'est encore beaucoup. Mais là-bas, 300, c'est para ou bien croquine, on va te donner. Et ça ne va pas tout guérir. C'est une pratique déjà ancrée dans nos habitudes, la guérison par les plantes médicinales. Alors, nous constatons aujourd'hui qu'il y a un regain à cette science-là. Fondamentalement, elle est culturelle. L'utilisation des plantes, elle est culturelle. Donc, quand au Bénin, en Afrique, quand les gens tombent malades, le premier recours, c'est les plantes. Quand ça ne marche pas, on va à l'hôpital. Et vice versa, quand on va à l'hôpital, on ne trouve pas de satisfaction totale, on retourne encore, disons, à cette phytothérapie. Les plantes guérissent, c'est un fait. Les résultats de la phytothérapie pour exercer une action de fond sur la santé et la forme générale ne laissent aucune ambiguïté. Toutefois, c'est au regard de sa pratique courante qu'elle pourrait nourrir des inquiétudes. L'une de ses limites connues, la consultation diagnostique. Des fois, si je viens ici, je ne connais pas aucune tisane et j'explique comment on peut faire pour connaître la santé. Si tu es malade et tu ne sais pas ce que tu vas prendre pour trouver une solution-là, je viens ici pour l'expliquer. Là, il me donne les tisanes. C'est basé simplement sur l'appréciation des symptômes. Donc, ce qui peut être sujet à des erreurs. Cette consultation n'utilise pas, disons, les outils et les techniques appropriées. Si, par exemple, vous souffrez de l'anémie, la cause de cette anémie peut être, par exemple, le palu. Donc, un phytothérapeute ne peut pas le savoir. Il va passer tout son temps à traiter l'anémie alors que la cause sous-jacente, c'est le palu. Donc, sans aller à l'origine, sans traiter le palu, l'anémie va toujours être récurrente. Toxicité mal maîtrisée, effets secondaires très peu connus, utilisation hasardeuse, les problèmes sont bien là. La sécurité d'emploi des plantes reste problématique et nécessite un système de vigilance. La menace est réelle et la prudence s'impose. Si c'est bien utilisé, ça vous sauve. Ou si c'est mal utilisé, ça pourrait donc vous créer les pires ennuis. Donc, aller jusqu'à la mort. Pour dire que quand il s'agit de cette science, la phytothérapie, il faudra mettre des gants.
Oui, il a les problèmes de toxicité. Vous ingérez, si vous ne respectez pas la dose, vous pouvez avoir des problèmes. Si vous, la connaissance de la plante elle-même, vous voyez, si vous utilisez une plante à la place d'une autre, ça peut créer des problèmes. Je vais vous donner un exemple très simple. Tout le monde connaît le caïcédra. Le caïcédra qui est une plante aussi qui traite beaucoup de maladies. L'écorce, vous êtes rare de voir un pied de caïcédra non écorcé dans Cotonou et partout d'ailleurs. Donc, au Ghana, il y a une plante qu'on appelle érythrofléum, un grand arbre qui ressemble un tant soit peu aussi qui présente la même silhouette que le caïcédra. Mais vous savez, les gens ont planté ces plantes-là dans les avenues, comme on plante le caïcédra, et la population l'a utilisé sans faire beaucoup attention, et ça fait beaucoup de dégâts, ça fait entraîner des morts. Puisque la plante qu'on appelle érythrofléum contient une substance qu'on appelle érythrofléine qui s'attaque directement au cœur. Donc après l'ingestion, quelques minutes, quelques heures, là, pour perdre la vie. Le recours à la phytothérapie n'est donc pas anodin. Dans certains pays, plus que dans d'autres, elle connaît ces dernières années un succès accru lié au désir largement partagé d'un retour au naturel. Sa pratique habituelle présente toutefois des limites pouvant être à l'origine d'effets indésirables, plus ou moins graves. Mesdames et Messieurs, voilà, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit bel et bien sur Canal 3 Bénin à 16h. Votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Et bien voilà, à très bientôt. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine.